Mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce troisième épisode des Motive Vlogs. Il est actuellement 4h. Vous savez pourquoi je suis debout à 4h30? Parce que hier, j'ai eu la flemme de filmer. Et comme j'ai eu la flemme de filmer hier, et ben je me suis dit, bah, c'est pas grave, bah, je filmerai demain matin. Voilà. Je dois être dans le train pour 6h30. Pour retourner à Paris parce que j'ai énormément de rendez-vous. J'avais booké plein de rendez-vous self-care avant que bah, tout ce qui s'est passé ne se passe. Je dois les honorer parce que ça me fait plaisir et parce que c'est pas parce que c'est la merde dans votre vie que vous devez arrêter de prendre soin de vous. C'est très important de toujours continuer de prendre soin de vous. Donc je dois retourner à Paris à 6h parce que mon premier rendez-vous est à 10h et j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Et pour aller chez le coiffeur, il faut que je ne sois plus coiffée. Mais bien sûr, hier, j'ai encore eu la flemme d'enlever mes tresses. Donc, nous allons devoir ce matin enlever mes tresses, laver mes cheveux, faire ma valise pour partir. Et je dois faire quoi? Laver ma perruque. Parce que je vais me faire coller une perruque par une professionnelle. Ça m'en prendra la flemme. La flemme. Allez, on y va. Bon. On va commencer directement par défaire cette tête. J'ai trop hâte de voir comment mes cheveux ont poussé. Bon, je pense qu'ils sont pas si longs que ça. Allez, on garde la foi, on va couper là, même si je suis persuadée que mes cheveux n'ont absolument pas atteint cette taille. On est pas mal, hein? You should slide through and get your back, bro. Used to be involved with me with no emotion. I was on the way to the next show. Les gars, je suis enfin arrivée chez Larissa. Après tous ces périples, j'ai fait quoi? Deux heures et demie de route, hein. Alors, où est la bête? À l'heure dans le train, j'ai eu le pressentiment que je l'avais oubliée. Ça, c'est laquelle? Là. Tu l'as pas. En tout cas. Laquelle tu penses que tu peux le mieux sauver? C'est quoi cette question? Tu t'attendais à quel genre de... J'ai vraiment coupé. Honnête. Je m'attendais à rien. J'ai pris le ciseau, j'ai fait qui? Bah en vrai, parce qu'en fait j'ai coupé que le milieu, donc si on met de la cire au plaqué... On fait une raie sur texte. Oui, raie sur texte. De toute façon c'est ce qui me va le mieux, les raies sur texte. Fais-toi plaisir ma belle. J'y vais même. Bon là, on s'est décidé sur la frange. Elle va essayer de faire un miracle avec. Je sais vraiment pas comment j'ai fait pour oublier ma perruque. I trust you my girl. Je sais que t'es forte, je sais que t'es douée. On dirait que tu vas te marier là, que je suis folle. Mais vraiment, on dirait que je vais me marier. Hey, it's really giving. It's kiss. On parle d'une petite frange. Voilà, ça. On va juste pas oublier les baby hair. Et on est pour toi. C'est moi ça. C'est toi? Oui, c'est toi. Tu doutais? Non, en fait, ça fait longtemps que je me suis négligée ces derniers temps. Ok, ok. Je m'étais oubliée. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Mais je suis quelqu'un. Mais t'es quelqu'un. Je suis quelqu'un. Et t'es née quelqu'un même. Oh. Enfin, j'ai pas besoin de la perruque. Elle est née quelqu'un. Voilà le résultat final. Elle a dead. Elle a dead. C'est qui ça? Est-ce que c'est qui ça? C'est qui ce mignon là? Non, franchement, je suis trop contente. Je vais me marier. Ouais, voilà. Voilà. Il me manque une bague au doigt, même s'il me manque un ongle, littéralement. Juste le mariage. Non, t'es trop forte. T'es trop forte. Les gars, il est actuellement 21h et quelques. Je suis en train d'aller rejoindre Jamila. Honnêtement, j'ai pas vlogué de toute l'après-midi parce que je n'ai fait que monter de la vidéo qui est sortie hier, qui est ce soir. Enfin bref, je suis un peu embrouillée. Jamila, on va juste manger vite fait en ville. Et puis, on fera pas grand-chose en soi. Hein. Bonjour Jamila. Bonjour. Comment vas-tu Jamila? Ça va.
Je sais vraiment pas pourquoi t'es gênée. Là les gars, on est au Café Nord, en face de la gare du Nord que vous voyez juste derrière. T'as coupé le blaze. C'est pas... Ah, c'est Café du Nord, pardon. Excusez-moi, Café du Nord, pas Café Nord. Le lendemain matin, là je m'en vais voir Madame Diallo pour mes ongles et je vais également aller chez Body Minute pour m'épiler. Mes boucles n'ont pas tenu à la nuit, ce qui est normal parce que je dors extrêmement mal, donc je vais juste me faire une petite couette. Voilà, on y va. Je dois m'arrêter sur les champs pour aller voir Joyce parce qu'on doit manger ensemble ce midi et ensuite on pourra commencer à faire tout ce qu'on a à faire. Et bon, je suis avec Madame Joyce qui ne veut pas montrer sa tête. Elle fait la go superstar Anonymous. Joyce, t'es méchante. Quoi? Tu m'affiches. Tu dis que je charge la salade. La dernière fois, t'as fait faim. J'étais abusée. Mais j'avais faim. J'ai le droit de manger. Là, on s'est assis sur un banc. C'est un truc qu'on fait souvent en vrai. Enfin, souvent, j'abuse. Juste, ouais, la deuxième fois. Fois juste la deuxième fois. Mais en fait, c'est sympa. Hein. C'est hyper sympa. En plus, ça, il fait beau. T'aimes bien passer du temps avec moi? Du coup, dans ma salade, vous savez que moi, je sais pas doser. J'ai bombardé. Du coup, j'ai mis quoi? Pâtes, concombres, salade, avocat, deux œufs, poulet, deux œufs, tomates mixées, machin, oignons caramélisés, les petites croquettes de pain. Elle est bien bonne. Là c'est bon, j'ai fini de manger bien avec Joyce, j'ai même pas fini toute ma grosse salade. Franchement j'ai eu le gros cœur, donc du coup j'ai pris à emporter. Là je file chez Madame Diallo parce que je suis grave en retard sur le programme. Il est quasiment 15h déjà, donc je vais éviter de faire les ongles. Et ensuite je m'en vais chez Body Minute pour m'épiler. Je ne sais pas quelle peau je vais faire. En fait, je pense que je vais faire une French, mais très courte. Genre, j'ai pas envie de mettre de capsules là. J'en ai marre des capsules, j'en mets tout le temps. Donc, je vais faire French simple. On retourne au classique. Parce que là, j'ai fait de la couleur. Mais je préfère mes French. Donc là, je vais faire ma French bien courte. Par contre, les ongles, ils ont archi poussé. Wow. Regardez. C'est bon, j'ai fini mes ongles, je suis trop contente, je kiffe, mes pieds ils sont super beaux, mes pieds sont vraiment super beaux, je suis choquée, même pas besoin de capsules, de machin, bref, je me sens mieux là que mes longs ongles là. Donc là, direction Body Minute, j'ai une heure pour me faire épiler rapidement parce que si la vidéo doit sortir aujourd'hui, je pense que cette vidéo vous allez la voir vers minuit. Il y a de fortes chances que vous l'ayez vers minuit parce que c'est impossible que j'ai le temps de rentrer, récupérer ma valise, retourner à l'hôtel, monter et vous la sortir avant 23h au moins. Je crois que c'est littéralement l'épilation la plus indolore de toute ma vie. Je suis choquée. Ok, l'épilation c'est bon. Dernière mission qui me reste, ça va être de passer chez Emma. Parce que pendant qu'elle m'épilait, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié d'acheter, vous savez, les petits flacons pour diluer les liquides. Parce qu'on peut pas tout ramener dans l'avion. J'ai complètement oublié d'acheter ça. Les gars, je suis enfin arrivée à l'hôtel. Je vous présente madame qui va partager le séjour avec moi, alias Elisabeth. Est-ce que tu avais déjà participé à l'une de mes vidéos à l'époque? Oh, on t'a jamais vu? Non. Et pourtant, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît. On nous a dit que c'était du 4 étoiles, mais je vois pas les étoiles. Hein. Je vois vraiment pas les étoiles. Hein. Donc, voici l'hôtel qui est censé être 4 étoiles. Regardez vous-même un petit impact. Bon, une cuisine, voilà, l'évier. Je sais pas si tu t'es lavé les mains, c'est ça qui fait les gouttes, mais bon. J'ai même pas, j'étais en vert. Donc là, il y a la chambre. Déjà, je sais pas si vous voyez la tache là, sur le lit. Là, c'est censé être le bureau, en pas super bon état. Et puis, regardez-moi les cratères. Quelqu'un s'est assis avec ses règles ici, je sais pas.
Je sais vraiment pas. Bon, c'est pas grave. On est là pour une nuit, de toute façon. On va sauf que dormir. Maintenant que je suis arrivée, je vais me reposer, je vais me concentrer sur le montage. On se voit demain. Je vous réserve une petite surprise. Vous n'êtes pas prêts. Mais en tout cas, à demain. Bisous!